Eh bien, bonsoir tout le monde. On se retrouve, alors je vais mettre ça comme ça. On se retrouve ce soir. Oh, bon, vous le voyez tout de suite, je ne suis pas tout seul. Il s'est dit, alors ce soir, j'ai dit, vas-y, viens, on fait un live ensemble. Il m'a dit, ouais, c'est sur quoi. Et, oh, il est venu, là, il est venu. Donc on est sur Digimon World Next Order, sorti fin du mois de janvier, le 27 janvier 2016 sur PlayStation 4. Et comme d'habitude, on fait un live. Salut Yannick. On fait un live full découverte. J'ai lancé le jeu vite fait, j'ai fait le début vite fait. Et en fait, on va faire une nouvelle partie. Donc voilà, donc on part sur des bases solides. Et on va voir ce que donne ce Digimon. Comment tu veux passer sur des bases solides si t'as pas encore essayé le jeu? Alors évidemment, alors parce que moi je suis pas forcément spécialiste de Digimon, mais voilà, Namco Bandai a sorti leur nouveveau Digimon. Et en fait, on va faire une nouvelle partie. Et donc voilà, alors 2017. Oui, pardon, 2017, Yannick, excusez-moi. Alors, on a le choix entre choisir un garçon ou une fille. On choisit qui? T'as un couteau. On choisit le gars. Moi, je sais pas, je suis chaud pour le gars, je sais pas si c'est la coiffure bleue qui est. Ouais, c'est sa petite mèche bleue. Digimon, ouais, justement, c'est le petit effet, quoi. Namco Bandai a sorti leur nouveau Digimon. Donc voilà. Et donc voilà. Alors, il vient d'où? Il vient de chez moi. 2017, Ah, bah, ok, d'accord. Il y avait peut-être un écho. Non, il y avait aussi mon téléphone. Non, mais j'avais un écho. Ça ressemble, tu sais, vachement au Pokédex. Ah, tu sais, c'est les Tamagotchi. Ah, ouais. J'en avais un. J'ai jamais réussi à le tuer. Alors, il y a Nicolas Shadow qui demande aussi dur que celui sur PS1. Et bonjour au fait. Bah, je sais pas, on verra. On est là pour découvrir le jeu. Donc, est-ce que tu as joué sur PS1 à celui-là? Ouais, mais je m'en souviens plus. Je crois que j'ai joué à l'époque au jeu sur PS1. Mais je m'en souviens, mais plus du tout. Genre, plus du tout. Bah, moi, j'avoue que les seuls jeux un peu dans ce style-là auxquels j'ai joué, c'était sur DS ou Game Boy. C'est le Pokémon. Où suis-je? Tu nous fais les doublages et tout. Ah, parce que c'est pas doublé. Et le point d'exclamation, on fait comment? Oh, il y a quelque chose ici. Pense-t-il. On est trop fort en langue française. Ah, il y a des pixels qui sortent de sa veste. Ça, c'est trop beau. Je crois qu'on dirait qu'il marche dans de l'eau, tu sais. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur le jeu. On se fera un plaisir de vous répondre. Parle plus fort. Pourquoi? Parce que t'es un peu loin même du micro. Ah, mais parler fort, c'est pas trop ma spécialité. Mais attends. Il n'y a pas d'audio. Vous avez pas de son de jeu, non? Bonsoir Amandine. Mais attends, vous avez pas de son du jeu en fait? Je pense, hein. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Petit ours. Attends, il n'y a pas de son dans le jeu. Parce que j'ai pas le retour. Attends, c'est facile. Attends, tu sais qu'on va faire un truc? Non, y'a pas de son. Y'a pas le son du jeu. Vas-y, fais un peu. Vas-y, go, ce délire. Ah, mais sur ta PS4, t'es sûr que t'as. Vu que là, t'as branché le micro, tout à l'heure il était pas branché.
Tout s'explique. Tout s'explique en fait. Tout s'explique. Je me permets juste d'éteindre ta barre de son. Ah, le petit truc qui nous a mis le son et l'écran. Ouais, non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Si, si, paramètres de sortie audio. Ah, oui, voilà. Et là, tu fais. Ah, mais attends, j'ai le microphone utilisé, voilà. Non, c'est pas ça. Attends, non, je sais où c'est. Alors là, on s'attendait vraiment pas à ça. C'est ça. Hop. Là, c'est bon. Moi, je me prépare. J'entends le son. C'est bon, t'entends le son ? Ouais. Ok, parfait. Nickel. Je suis pas sûr qu'il... Autant pour moi ! Je disais, il y avait un problème de son. Ah ouais, là, j'ai le son. C'est trop bien. Attends, je refuse mon live. Bon, les aléas du direct, voilà, c'est bon. En gros, c'est le CNC et c'est super galère. Bonsoir, bonsoir, salut, salut tout le monde. Non, on n'entend rien. Et ben voilà, le problème est réglé. Voilà, c'est bon. Ah ben... Non, c'est moi qui ai plus de son. Pourtant, t'as fait sortie dessus. Ouais, mais tu peux pas faire les deux. Ah ouais. Putain. T'avais oublié le mélangeur de volume. Bah, attends. Ouais, vas-y, t'as tout recoupé. Non, t'as tout recoupé. Mec, je te jure, j'entends plus rien. Là, c'est bon ? Non, j'entends plus rien. Attends, parce que... Ah, en fait, c'est dès que tu rebranches ton truc... On découvre la PS4, on fait quoi, là ? Découverte live PS4, tes sites différents périphériques. Bah, attends, je vais... Je vais enlever ça. Tant pire. Non, non, mais c'est bon, je vais... Je vais le faire via le... Parce que sinon, je mettais le son plus fort dans mon casque. Hein. C'est un Sennheiser, mec. Non, t'inquiète. Écarte-toi, t'as couteau, on s'occupe de tout. Il te suffit de nous donner des ordres, comme d'habitude. Hein ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, Nicolas, c'est bien la première fois qu'on lance le jeu. Non, on l'a lancé. Non, je l'ai déjà lancé. Qu'est-ce qui t'arrive d'un coup ? On n'a pas l'air de comprendre ce qui se passe. Bon, on n'a pas le choix, il va falloir qu'on t'aide. Sans rire, comment tu peux oublier tes propres partenaires ? Oh mon dieu ! Il a osé. Ça fonctionne plus, c'est bon. Alors, combat de Digimon. Les Digimon partenaires choisissent ses ennemis à attaquer afin de remporter la victoire. Cependant, les dresseurs peuvent donner des ordres à leurs partenaires pour réduire leurs actions. Ouvre l'anneau des ordres pour donner des ordres. Donc touche R1, touche L1. Appuyez sur L1 ou R1 pour voir le panneau des partenaires correspondants. Le nombre bas du centre d'anneau représente le temps restant pour que l'anneau se ferme. Le temps s'est arrêté, tu as 5 secondes pour choisir les ordres à donner. L'anneau se refermera à la fin du compte à rebours, mais tu pourras ensuite le rouvrir au bout de 5 secondes. Et essaie de donner un ordre. Essaie d'en donner à Wear Greymon, partenaire B, d'utiliser la compétence d'attaque Punch Éclair. Instruction, appuie sur R1, augmente le stick à gauche, appuie sur X. Pas surprenant. Hein. Alors. Donc R1, gauche, attaque rapprochée, Punch Éclair. C'est réussi. Franchement, c'est juste dommage qu'ils n'ont pas mis l'animation du coup. Maintenant, essaye d'utiliser la station avec Metal Garumon, partenaire G, puis sur R1, puis sur X. Vous voulez quoi ? C'est ça, non ? Non, il veut le premier. Il est innocent. Ah ouais. Alors, je trouve pas quand même que c'est dommage. C'est réussi, de quoi ? Comme quoi, il n'y a pas vraiment d'animation sur les combats. Bon, on verra, il n'y a que des poses actives. Pendant un certain temps, plusieurs types de sessions peuvent utiliser en fonction des aptitudes inhérentes au Digimon. Économie son influence, les ordres plus puissants nécessitent davantage d'influence. Tu peux gagner de l'influence en attention à tes partenaires. Salut Yohan! Ça fonctionne. Ça fonctionne. Attends, mais là, il est ou pas vraiment ça oui, donc... Non, non, c'est bon, ça fait. Au moins, il y a les après une attaque précise pour ton partenaire a subi des dégâts. D'accord. Donc là, bah là, on attend, ils vont attaquer. Et nous, on fait du soutien, donc on gagne de l'influence. En fait, tu vois, on a pris sur 3. En fait, t'as l'influence en haut à droite. Actuellement. Ouais, en fait, bon, quoi. L'influence de 30, plus, plus. Ah, il a protégé un allié. Par contre, on n'est pas libre de la caméra. Ah, si, c'est. Ah, t'appuies là, ça reste fixe, t'appuies sur 1, c'est dynamique.
Oh, je vais mourir. Ah, t'as combien? 150. Oui. Oh. Je commence à prendre le coup de main. Je dépense une influence en même temps le coup spécial de Wargeman. Plus vers 1 en bas à gauche. Voilà. Ah, ok, ça dépense toute l'influence que j'ai. Ah, donc en fait, l'influence, c'est un côté. Ouais, c'est un peu mes points de. Tu vois là, on a une petite animation, mais. Ah, si, quand même. Alors, Florian de Ligne qui dit ça a l'air super complexe. Bah écoute, pour l'instant ça va, c'est assez. Bah non, R1 c'est un gars et L1 c'est un autre gars. Puis tu mets tes attaques, ça sert à rien. Moi je crois continue, je peux pas me vaincre, je vais rencontrer Takuto. Je vois qu'on pourrait être vaincu ici, mais ça ne va pas se passer comme ça, pas avec Takuto. Hein? Nani? Qu'est-ce que c'est? Une lueur d'affinité. Son puissance, l'affinité se transforme en force. Allons-y, tant que Takuto est avec nous, et je toujours se battre. Moi, tu sens que c'est quand même destiné à un public de base enfant, parce que là, tu vois, grâce à lui, on vaincra et tout. Ouais, c'est un peu comme les Chanel. Ouais, puis sur là, il y a un simultanément pour ouvrir l'anneau de France et deux partenaires. Normalement, on réserve aux compétences de digitation. L'ex est parfois disponible dans d'autres circonstances. Ok. Attention, combat initié. Ok. Non, faut que tu fasses celui du bas. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Bon, enfin voilà. Attention, ça se transforme. Alors, il y a Jérémy qui dit vous streamez via un PC. Oui, bien sûr. Oui, oui, on a un PC. Je ne stream pas via la PC. Ouais, j'aime pas les animations. Ouais. C'est vrai que ça ressemble à des dessins animés, ça. Je sais pas. Ah, je suis fusionné. Ouais, c'est ça. Ah, je me souviens du. C'est vrai, c'est la PS1, je ne vois pas. C'est ça, de toute façon, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Moi, je comprends le live du bug. C'est la deuxième fois que ça bug. Ah, d'accord. Oh, c'est bien survie à ça. C'est réussi. Avec l'ex de l'humain, par contre, c'est pour une tête de puissance supérieure. Il s'est paré un peu. Oui, c'est une fusion, mais pas éternelle. Non. Allez, aussi, c'est franchement en armée. C'est bon, ça. Alors, par contre, le jeu est sous Unity et. En toute objectivité, le jeu n'est pas très bon. Ça se tient, mais. Enfin, les points de pont pour avoir peut-être des millions. Ah, Takuto, tu n'es pas loin de dormir, on doit défendre notre partenaire. Ah. Le art le plus minable. Ah, les cinématiques, elles sont stylées. Ça va. Mais le mec, on en prend. Sur Facebook comme ça par magie. Bah ouais, ouais on est des magiciens. Ah c'est Zab 2, c'est nous. On aura tout appris. Ah non, t'as des sites qui te donnent des clés stream pour diffuser sur Facebook. Enfin, t'as des clés stream. Ah non, ils te donnent la clé stream. T'as des sites internet qui sortent l'URL de stream de Facebook et la clé stream en fonction du son. En fonction de la page. Ouais, ouais. Non, parce que chaque stream. C'est quoi ça? Je sais pas du tout. J'espère que c'est pas moi. J'ai cru que ah, c'est le gars en fait qu'on vient de tuer. Ah ouais? Ouais. Takuto, est-ce que ça va? Non! Ah si! Bah non, je voulais penser qu'à ma gueule. Oui, juste un peu. Thing. Mais ils sont fatigués, hein. Bah ouais. Ils disparaissent. Bah, ils sont retournés dans Totamaguchi. Flobatia, place publique. Ah, mais normal, je suis téléporté en fait. Par contre, ils peuvent nous expliquer certains trucs du jeu. Alors, c'est quoi le truc qu'il a à son bras? Gigimon. Mmh. C'est un bâton pâte. Un bâton pâte de chat.
Oula, il y a des morts. J'arrive comme ça, il y a plein de morts. Un être humain. Machine Draymond. Disparaît, un être humain paraît sa place, c'est facile. Machine Draymond aurait dû être quelqu'un dans le piège dimensionnel, mais... Mais qui est-ce que tu me dis, toi? Tu sais, il dirait qu'il disait ça avec son bras. Tu as vaincu ce Machine Draymond, c'est sûrement ce qu'elle essaie de faire de l'autre dimension. Je suppose que ce sont tes partenaires. Étonnant que tu en aies deux, pour une relation bien étrange. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour te défendre. Pas la peine de faire cette tête. Surtout que le mec il a eu aucune émotion sur sa tête, c'est dommage. Je connais pas du tout, c'est mieux pour toi. Mais pas de soucis, Jérémy. Je t'explique. Les Digimon partenaires peuvent être annulés avec un Digi. Tama, je les ai pris ça dans un stockage externe. En fait, le mec il est informaticien. Ouais, le mec c'est en pleine forme en vrai. Ça. Je choisis celui que je veux. Alors attends. Le rouge. Le rouge c'est toujours la terreur. Ou le violet, ouais, le violet il a l'air sale. Non, ça le vrai d'être... violet. Ça a l'air d'être un vieux blob. Celui-là, tu vois. Non, ouais, celui-là. Moi, je suis là. Ça a l'air d'un... Attends, je prends celui-là. Mais on dirait un tigre. Moi, je prends celui-là. Après, tu je crois que c'est le tigre. Ah, parce que je peux en prendre un. Ouais, je te laisse choisir l'autre. Ouais. Alors, je pense que c'est le Digimon que tu faisais au début. La musique, franchement, elle m'entraîne. Ah, t'as un truc trop chiant. On revient sur notre choix, Yukini Botamon. Ok. Yuki. Yukimi Botamon. Ouais, laisse. On va l'appeler. On va juste l'appeler Yuki. Hein. Yukimi. Voilà, Yuki. C'est tout. Ah, le deuxième. À moi. Non. Ouais, vas-y. Tu veux celui-là? Attends, je fais le tour. Viens, on reprend celui-là. Non. Je veux. Soit le rouge, soit le violet là-bas. Ah, le rouge, il a l'air sale. Ouais, mais t'as qu'à le prendre. Moi, je veux le violet. Tu veux le violet? Ouais. C'est pour ma octane qui est violette. Alors qu'est-ce que vous pensez de nos Digimon, hein? Alors, il y en a qui? C'est aussi un petit peu pourri, t'imagines. Ouais, t'as un fantôme. Ah, il est trop chou. Poyomon. Ah, c'est déjà mon nom, Yukiminido. Poyo. Là, on l'appelle Poyo. On va l'appeler Poyo. En fait, les mons, on en veut pas. on a enlevé vos mons. Regarde. Ils sont tout petits. Il est d'accomplir un véritable exploit. Alors, il est trop kawaii. Ouais. Tu parles duquel? Bah le mien, parce que là, il voit que le mien. Ah... Ouais, mais le mien, il est encore... Regarde, il est là, trop chou. C'est... Ça, on dirait les petits fantômes dans Pac-Man. C'est la dernière étape du processus de renaissance. Souviens-toi que les dresseurs ont le devoir de prendre soin de leur partenaire. D'accord. Je reprends. Et comment on en prend soin? Tu n'as pas l'air de bien comprendre la situation. En vrai dire, je ne sais pas beaucoup plus que toi. Vas-y, moi, j'y vais, toi, tu fais l'autre. Je me demande ce qui se passe, et si on allait chez moi, pour que tu me racontes ton histoire. Ton com est toujours inconscient, on pourrait le soigner là-bas. Ah le tien, il est pas encore. Ça se joue à deux. Écoute, je n'ai pas le souffle. Enfin, bah, en fait, on y joue à deux sans vraiment y jouer à deux. Mais tu veux que je fasse la voix de qui, moi? De moi, enfin du personnage principal, quand je comprends. Donc tu te fais attirer par le Digivice, et tu vas malheureusement entrer dans la dimension que j'ai créée. Ensuite, tu as vaincu le Machine Draymond. Pour voir avec l'aide de tes partenaires, je vois le hasard de la chose aujourd'hui. Je te donne des remerciements. Merci! T'as vrai dire, c'est bon, les entreprises sont sûrement remarquées. Ah bon, ok, je vais sauver le monde. Bon, ça va, les deux. Là, il parle, hein. Hello, les garçons, comment va? Bonjour, Angélique. Oui, Angélique. Mais heureusement, lui. Mais il parle, hein. Eh ben, c'est un vieux gâteux, hein. J'espère qu'il n'y a pas de papy dans le gros. Oh! Nani? Je zappe parce que c'est un peu long. Alors, j'ai trop peur. Vous ne pouvez pas vous débrouiller, franchement, moi direct je suis arrogant. Un peu de courage. En fait, t'as pas le choix. Ok. Bref, ta photo, je compte sur toi. D'accord, j'ai rien demandé. T'as compris? Non. Tu comptes sur moi. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ah, ils sont là. Ah, c'est pas lui. Là. Deux WC. 3 pansements, 5 disques curatifs. Moi franchement Digimon j'en ai vraiment aucun souvenir. J'ai vraiment pas. Ça a pas été mon kiff. Vas-y moi je sors. Oh t'as un couteau, attends. Ah oh, putain tout coup. Je vais te faire utiliser les environs de plus t'apprendre t'as de choses, ça t'intéresse? C'est vrai, je vais me débrouiller. Bah, quitte à se dans la découverte, on va dans la découverte hein. Ouais, parce que d'abord moi j'ai jamais eu besoin de quelqu'un.
T'appuies sur LR, ça fait quoi? Il y a un coffre. C'est un peu long les temps de chargement. Et c'est, il se passe quoi? Je pense connect. Ouais, je t'ai vu, il y a des Game Boy de toutes les couleurs. On verra ça plus tard. Allez, on va sortir. Attends, il y a quelque chose qui t'appelle. Fais un réveil. Partenaire. Ramener des Digimon en vie. Attends, comment on sort? Ah. Y'a quoi après? Y'a rien du tout après. On va pas sur R6? Ah ouais, si tu veux. Bah non, je travaille mercredi au pire. Dis moi, j'étais chaud. Tu m'ennuies là? Parce que j'ai pas demandé aux autres. Bah tu veux que j'aille leur demander vite fait? Ok. Je reviens, j'ai évité ce moment-là. Ah là. Je te retiens au courant de qui c'est qui est. Ouais. Au pire, vas-y, on est pas allé, on est des fous. Avertissement au sujet du chant. Désormais, du moins, tu as 4 ans d'être considéré comme des ennemis. Les 10 bonnes ennemis réagissent à son approche, tant qu'ils chasseront à donner un son combat. Ok. Donc lui, il est méchant. Comme jeu. Bon, attends, on verra là, on est en train de négocier. On est en train de négocier. Hey, qui es-tu? Et on dirait un Pokémon lui. Attaque. Okay. Alors lui maintenant on peut le faire attaquer. Here I go. Et lui pareil, mais on va lui faire faire le feu. Lui. Ok, je vais sous la map. Hey, je vais sous la map. Okay. Je vais faire gagner un peu de... Ouais, mon Digimon, il va mourir. Mes Digimon, ils sont morts. Oh non. Je me suis fait défoncer. Après ça, ça fait des cheveux à pic. J'hésite à me prendre le jeu. Mais écoute, si, je pense que si tu es fan des Digimon, je pense que tu peux kiffer. J'ai fait un combat, je me suis fait défoncer. C'est vrai? Ouais. Trop bien. Qu'est-ce que je vais dire? Ouais, ils sont tous là. Qui ça? Constant, Florent et Nerva. Ok, pas. Bah, Constant, il a dit ouais, ça pourrait être faisable. Ok, now. Voilà. Si tu veux l'ouvrir, c'est maintenant. Ça dégage juste son paquet de la manette. Joli lag. Je suis là-bas. C'est vrai? Ouais. Je reviens, à tout à l'heure Angélique. Joli lag. Et après ça fait des chocs à pic. Pourquoi il a dit ça? Attends, regarde. Non, moi je fais ce que là. Wesh, il est trop chaud, on dirait un mini draco feu. T'as vu? Merci. Putain, c'était ça que je cherchais, mini, ça ressemble trop à un truc. Ouais, un drago. Ouais, Buldo, il a l'air d'être un peu. Ah, t'es peut-être pas assez près. Counting on you. You did it. Okay. Now. Ensuite. All right. Ouais, tu m'as dégoûté. Hey, il est chaud lui hein. T'es bien allé trop loin. Ce jeu est bien buggé. Bah écoute, tu fais deux combats, je suis sous la map. Non. Mon fantôme de Pac-Man. Ouais, mon petit fantôme, comment t'oses le réduire à néant comme ça? Tu te bats contre le premier là, juste devant? Non, je suis allé dehors et tout. Non mais bats-toi plus contre ceux de devant. Hein. Attends, comment on fait?
comprends pas. Attends. Je vais regarder mes mails. Alors si vous pouvez nous donner des conseils, c'est le moment. Hein. Parce que là je suis perdu. Bon bah, premier ennemi mort, lol. Mais non, comment je fais pour me soigner? Help an old Digimon out. Bah attends. Putain, je vais leur parler une fois à tous. Je vais faire ça. Hein. Ok, le gars c'est un codex. Je ne peux pas améliorer tes Digimon, ses attaques, etc. Bah attends, je suis en train de chercher. Ouais, j'ai du morceau de viande. C'est moi, la viande c'est les plantes. Ouais, j'ai... Mais les végétariens du coup ils sont comment dans ce monde? Entraînement. Hein? Je vais me reposer. Bertrand. Ouais. Si la viande pousse sur des plantes, comment tu fais? Il se fait tuer à chaque fois. Les gens sont pompés à... voilà, tu as compris. Ah bah fallait que j'aille là en fait. Ah, je crois. Attention! Il évolue là! Il est mort. Ah non, il est mort. Nya! Juste la peigne. Nya! T'as jamais vu la vidéo avec le gosse là qui se prend le ballon de basket sur la tête? Ah, le sorcier il est volé. Oh mon petit fantôme! Je sais pas si fallait faire ça. À 21h, on va aller faire un bout. Ah, t'as vu de merde, on dirait un petit cochon. Topo. Bon, par contre, t'as vu ses dents, frère. Tokomon. Give this all you've got. Bonus d'ami. Ok, d'accord. Ah, on peut les entraîner à la force et à la vitesse. Vas-y, attends. Après, tu peux le faire en endurance. Sagesse, PM et PV. Ouais. T'as dû faire ça. Commencer l'entraînement, oui. Joue à la roulette maintenant. Plus sérieux pour arrêter la tournée, tu gagneras ce qui est indiqué sur ta flèche. Ok, jeu. Ah, ok, d'accord. En fait, il faut faire des trucs comme ça. Et après, ton Digimon, il s'en dégage. Regarde, tu vois, force, vitesse. Mmh. T'as tous les stats qui augmentent. Ah, mais c'est sympa ce petit côté. Ah, c'est compliqué, je fais que des zéros. Attends, après l'autre, on va aller le. Hein. L'autre, après, on le. Mais tu crois que tu peux faire un petit MMO? Non, je pense pas. Tu sais faire un tank avec un DPS? Ouais. Bah, okay. Attends, on peut aussi leur PV. Ah ouais, c'est pas bête. J'ai même pas vu, tu vois. Mmh. Et ouais, mais j'ai un talent. 275 PV, mec. T'as vu le nombre de PV que t'as pris d'un coup? Ouais, okay, je vais faire que ça. Okay. Je vais faire que les PV. On va être des fous tanks. Voilà, on est une vingtaine. Training time. On va refaire ça. Faut les PM aussi. Voilà. Il y en a qui voulait manger. Oh bah il attendra. Ok, d'accord.
Okay. Gather up. Pas obligé. En fait, un ingrédient. Ah ouais, c'est vraiment un pseudo Patamomichi, mais presque. Eat up. Eat up. D'accord, ok. On va encore se reposer. Il a faim. Je sais même pas vu, tu vois. Non, moi non plus. Ils améliorent encore. Ah bah ouais. Je suis trop fort. Après, je pense qu'on va les faire jouer à ce stade-là. Oh. Il ne peut pas penser un peu à Kyubi. Ouais, il est stylé, lui. Hein. Mais le mien sera mieux. Ça c'est le tien, ça. Hein. Ouais. Regardez, c'est un cochon, là. Hein. C'est un cochon. Regarde. C'est l'autre, mais en violet. Ah bah voilà. L'almé, il a le style, hein. Bien fait de prendre lui. Toi, je vais augmenter sa vitesse. Donc tiens, on dirait vraiment un boxeur, elle met le plus en PV. Toi, ça va être le tank. Là, il faudrait un endurance aussi. Hop là. On va faire l'endurance. Bah, il est plus facile que celui sur PS. Vous jouez à quoi comme jeu sinon? Votre jeu favori? Simple curiosité. C'est la question la plus dure qui puisse répondre. Ah ouais, c'est abusé. Bah franchement mec, je sais, pour moi je sais c'est quoi à peu près tes jeux favoris. Ouais, je sais aussi. Mais t'as plus des jeux du moment. Ouais, moi c'est plus des jeux du moment. Mais après si je devrais dire vraiment un jeu, vraiment qui m'aura vraiment, enfin vraiment mon jeu favori, c'est je pense c'est Mass Effect. You hungry? Ouais, c'est du FF. Mass Effect. Ouais, Final Fantasy, c'est. Je pense que c'est mon RPG préféré. Mais Mass Effect, si je devrais choisir un jeu que je devrais garder, c'est Mass Effect. Alors, Andromeda, mec, il sort le mois prochain, laisse tomber. Je suis comme ça. Vas-y, viens là, toi. Moi, je pensais que t'allais dire Zelda, tu vois. Ouais, Zelda et tout, ouais. Après, c'est notre enfance, hein. Ouais, faut être plein de jeux. Non, mais... Alors que moi, mon jeu en ce moment, c'est. Votre avis sur la Switch? Il est plus facile que celui sur PS1. Bah, votre avis sur la Switch? Bah, moi, je trouve que. Enfin, j'ai pas d'avis en fait. Toi, tu l'as plus juste, quoi. Ouais, Nintendo, ils font du Nintendo, quoi. Et ça plaît ou ça plaît pas. Moi, je trouve le concept cool. Ils arrivent à. Attends, je me concentrer, je suis à toi. Voilà, regarde là, ils perdent la vie là. Okay. Blou. I kick. From, one shot, mec. From kick dans la bouche. Bam, on est trop fort. Oui, mais du coup, moi, mon jeu. Reprends la viande. Ah oui, pas bête, ouais, ça va. Tu vois quoi comme jeu sinon? Bah, moi, après, en jeu, je joue à tout, surtout des FPS. T'as vu ça où? Tu vois quoi comme jeu? Toujours la même? Ah, je suis en retard. Moi, j'ai pas répondu. Je suis en retard sur mon live. Ouais, donc moi, je suis plutôt FPS et puis bah. Bah en fait, moi, sur la Xbox, j'ai genre 300 jeux, sur la PS4, j'en ai une vingtaine, et sur le PC, je vais en avoir pareil, 30-40, quoi. Je joue à tout, en fait. C'est ça qui est cool. En fait, ouais, je joue à tout. Donc, vraiment à tout. Sauf peut-être les jeux de bagnole auxquels je joue moins. Genre Forza et tout, genre Project Cars et tout, et tout comme ça. Genre vraiment, je joue vraiment pas. Mais ouais, sinon je joue à tout, je joue à des jeux de combat, RPG, FPS, open world. Même si j'en ai un peu marre des FPS, parce que je trouve qu'ils se... T'as un mail? Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, mais la Switch, moi par exemple, je vais l'acheter Day One, en fait, genre le 3 mars en magasin. D'ailleurs, le 3 mars, on fait un unboxing de la Switch. Et
et une découverte de Zelda. Donc le 3 mars. Je vais aller rechercher de la viande. Le Zelda et Bomberman ont l'air super. Alors moi, malheureusement, le Bomberman, je peux pas le prendre parce que problème financier. Enfin, la suite, c'est quand même 330 €. Le Zelda en collector, on a 400 €. J'essaie de prendre une pochette, etc. Et la manette, ça fait 500 balles. Il y a Nier Automata qui sort, qu'il faut que j'achète sur PS4. Il y a Mass Effect qu'il faut que j'achète. Et Horizon, je voulais le prendre, mais malheureusement, je ne peux pas. Parce que je n'ai pas de sous. Alors, dites-moi, c'est quoi les gouttes d'eau là qu'il a mon Digimon, j'allais dire mon Pokémon. C'est pas quand il est fatigué, ça. Non, je pense pas. La fatigue s'est fait sentir, il a dit. Ouais, je t'ai une part par journée et tout, oh, les salauds. Attends, mais attends, je vais leur donner à manger. Ok, il est en roller en auto, quoi. Objet suite. Non. Bah, faites-toi pour changer de live. Ouais. Ça va pas te déranger de voir changer ta. Bah, je vais mettre les trailers et je vais changer de territoire. On va aller dormir. Cool, pareil Day One, j'ai fait l'offre Micromania, 150 € la reprise de la Wii U. Fatigué, oui, merci. Bah moi j'ai pas envie de revendre de console, donc la Wii U je l'ai revendue il y a déjà quelques mois. Parce que en fait elle, c'était littéralement la console qui prenait la poussière. Et voilà quoi. Donc voilà. Petit entraînement. What? Il veut aux toilettes. Les toilettes là-bas là. Ah ouais, les toilettes là-bas. Ah mais genre en vrai c'est Tamagotchi quoi. Ouais bah attends, on va les entraîner un petit peu. Attends, faudrait peut-être qu'on avance un peu parce que là on fait rien à part s'entraîner. Moi je pense que c'est beaucoup du pharma comme jeu. Ouais non, Mass Effect alors. Alors là, on fait pas grand chose ce mois-ci, mais attends juste de me reposer parce que la fatigue est encore un peu élevée. Je sais pas où t'as vu ça, mais j'ai pas eu le temps de voir. Mais on va faire, je pense, Zelda, on va le faire en aventure suivie, donc de A à Z, en live. Donc abonnez-vous à la page, etc. Enfin, vous connaissez les trucs. Horizon, si j'arrive à l'avoir, je fais une découverte. Nier Automata, je fais une découverte. Et Mass Effect, si on a fini Zelda, je le fais aussi en suivi, ouais. Et ils sont fatigués. Encore? J'en ai un, il est où l'autre? Oui. Ouais, les deux, hein. Il y a un Digimon en bas, attends, je vais y aller. S'ils sont fatigués, tes machins, ils vont pour de la compote. Pareil pour la Wii U. Et puis, trouver des ingrédients et des matériaux. Ah, d'accord. Genre la grosse cartouche là-bas. En fait, c'est bien, mais je trouve que le principe de s'occuper de ces Digimon, je pense, c'est un peu mal vieilli. Voilà. Faut que j'en récupère pour dormir. Ok, d'accord. On va se balader. Et je pense qu'on va arrêter. Après, le monde, je sais pas, tu trouves pas que ça manque d'arbres? Ouais, un petit peu, ouais. Par contre, ouais, c'est quoi la caméra qui tourne, hein? Ouais, je crois que ça cherche des. Plus loin, tu verras, plus tes ennemis seront froids, faudra améliorer la force de tes partenaires. Les voies pleines de joux habitue-toi à vivre avec tes partenaires Digimon. Ok. J'ai rempli les PV et les peines de tes parrains, non, ce qui fonctionne avec ce combat. Ok. Tu les as trop entraînés. Ok, utilise objet et menu de stratégie. D'accord. Ok, d'accord, on va essayer de t'expliquer comme quoi tu peux utiliser les potions et les prévention au combat, fuir. Ok. Let's go! Je
Il est mort là. Tu l'attaques encore une fois et il est mort. Voilà. Bah écoute, Nico, t'as l'air de bien gérer les Digimon, toi. C'est sur quelle console? Alors aujourd'hui, nous sommes sur PS4. Nous sommes sur PS4. Influence au début de combat. Ligue gagnée à l'influence n'est pas remportée au combat suivant. Ah d'accord. J'ai besoin de dormir encore. Oh, regarde, il court le machin. Le troll là. Ouais, je viens de voir ça. On va se balader, on va un peu les surmener là. On va se balader, je pense qu'après. On fait un live sur Rainbow Six Siege à 21h avec les potos. Donc, n'hésitez pas, je pense que je mettrai juste des trailers en fait, parce qu'il faut changer de console. Parce que si, je n'ai pas sur PS4. Donc. Ok, alors lui il est un peu plus puissant. Hein. Oh, en fait c'est des combats automatisés, c'est un peu dommage ça. Nice. En fait là j'ai lancé des attaques et... Pour un dernier. Voilà. Ça marche comme le premier sur PS1. Oh d'accord, ok. J'avais joué sur PS1, mais j'étais vraiment jeune. Hein. J'étais pas dépassé les 10 ans. Ah non, j'ai pas félicité ou quoi. Ah, t'as des fruits. Une pomme. Non, on va aller dormir. Allez, on fait du. Moi, c'est le bruit des pas et ça me stresse. Bah écoute, on va aller dormir. Enfin, on va aller dormir. On va aller dormir. Allez, hop, au lit. Voilà. Ah, ils sont claqués là-bas. Ah d'accord, c'est ça. Pourquoi? Ah, parce que j'ai tout le monde s'est endormi. Ils font que dormir. Genre, tu les as félicités, ils se sont endormis? Ouais. Allez. Ça ira? Bah, attends, on verra. Hein. Parce qu'en fait, il a pas les PV à fond. Allez, presque. Ah, t'as vraiment une dimension. Je t'occupe d'eux et tout. Enfin, ils ont faim. Ok, now. Ah, c'est pour ça qu'il y a les toilettes par terre. Careful now. T'arrives quoi là? It's chow time. Voilà, ils ont mangé. Ils vont vouloir aller aux toilettes. T'as encore faim? Emmène-les, okay. Emmène-les après aux toilettes avant de partir. Eat up. Il a tout le temps faim lui hein. C'est un petit gros. Oh, ils ont pas besoin, ils ont pas besoin, tu peux pas y aller. Très bien. Oh, tiens, il est vachement motivé. Hein. Ouais, il est un ninja.
Je m'appelle Naruto Uzumaki. Ouais, elle est pas grave. On va changer de zone. J'ai quelque chose. Ouais, bah c'est bien. Continue de voir. Faut que j'avance dans mon live, les gars. Vous êtes gentils. Ah, tu peux pêcher. Ok. Ok, d'accord, merci. Rêve brisé. Ah. Il m'a vu. Boum. Nice. C'est critique. Bon, esquive. Okay. Il va le sauver. Bah, il prend le kill dans la bouche. Je pense que les combats de boss, ils doivent être bien longs et bien. Le problème c'est que t'as appuyé sur croix en fait et t'as pas. Matt, t'as vu les paliers de caméra? Non, ouais, plutôt quoi, c'est du code, c'est du phare. Genre, faut que tu montes tes compétences de tes machins. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Et on va continuer tout de suite après. Je vais vous mettre des trailers en attendant en fait. Je vais changer de fond. Je vais mettre des trailers. Je vais préparer tout le truc sur pour Rainbow Six Siege et on se fait un petit live détente sur Rainbow Six Siege une petite heure et demie. Donc c'était Digimon World Next Order sur PS4. En ce qui concerne le jeu, alors c'est pas ouf. Le jeu est pas très joli, je trouve. Je sais pas si sur le live ça se voit, mais le jeu est pas très joli. Le principe de Tamagotchi est assez ancien, mais ça fonctionne pour les gens, je pense, qui sont fans de ce genre de choses. Alors, je pense pas être le public visé, moi, personnellement, mais je pense que ça peut plaire aux personnes qui le souhaitent. Je pense que si je devais... mettre une note, je pense que ça serait tout pile la moyenne, voire un peu plus, parce que mine de rien, c'est assez assez cool, ça change de tout ce qu'on voit. Mais bon, le problème c'est que c'est pas très joli, les sols, voilà quoi, le sol il est pas forcément très beau, le gameplay, il marche pas vraiment de façon réaliste. Les Digimon ça a plus de 15 ans. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, Alan, mais. C'est vrai qu'il y a des animations qui sont bien faites. C'est vrai qu'il faut aimer les Digimon pour... Les combats sont pas très actifs, ils sont un peu mous. Ouais. T'as un putain d'écho derrière toi qui part en décalage. On va prendre en décalage ? Bah personne. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je vous propose une base pour ce soir pour moi. Bah non, mais ça. C'est important, pour un pour moi ça. C'est pas 6. Bah 6, pour moi 6. Bah non, c'est ça. Le mec trop nul. Donc voilà, donc c'était Digimon World Next Order sur PS4. Bonne soirée à tout le monde. Attends, je vais écouter le live. Voilà. Bref. Bonne soirée à tout le monde. A tout de suite sur.